Je pense que vous l'avez si bien rappelé, nous étions ici à Shenchim le 6 mai dernier pour une visite du site. Ce que nous avions constaté, je pense que vous êtes témoin de ce que nous avons observé ici à Shenchim. Je me rappelle à l'époque, nous étions sur cette place-là et je pense que le, le site a complètement changé de visage. Parce que c'est ici qu'étaient entreposés euh, des fûts euh, contenant des produits dangereux, euh, qui étaient exposés à l'air libre et qui étaient mélangés avec euh, du bois et qui étaient dans une situation indescriptible. À l'époque, euh, nous avions retenu trois plans d'action. Euh, le premier point, c'était de reconditionner. Euh, nous avons visité tout à l'heure. Euh, les endroits où on avait des fûts euh, qui présentaient des signes de faiblesse. Et nous avions demandé à ce que ces fûts soient reconditionnés dans un premier temps. Mais également du fait que euh, ces fûts étaient exposés à l'air libre, il fallait, après de, le reconditionnement, euh, les confiner dans un endroit sûr. Et c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. L'ensemble des fûts ont été reconditionnés et confinés dans un endroit sécurisé. Et Cela va nous permettre de dérouler le troisième plan d'action. Le troisième plan d'action consistait à les incinérer à haute température, bien entendu, avec les cimenteries de la place. Nous avions saisi les ciments du Sahel nous avions saisi Sokoussim et Dangote. Euh, à travers des courriers et nous les avons tous reçus en présence du directeur général des ICS euh, pour demander à ce qu'une action euh, concertée puisse être déroulée dans le but de trouver définitivement une solution à ce problème euh, je pense que ce troisième plan d'action euh, qui devait euh, clôturer euh, l'essentiel des travaux c'est-à-dire, c'est d'expédier hors du site, qui est vraiment un site très proche des populations, tous les produits dangereux que nous avions constatés à l'époque. Les travaux avec les cimentiers se déroulent dans d'excellentes conditions. Des prélèvements en guise de test sont envoyés au niveau de ces cimenteries pour éprouver, pour constater, bien entendu, euh, quels sont les types de produits euh, et quel est, niveau, euh, par, quel est leur niveau de dangerosité par rapport à, à, leur, à, leur, à leur four euh, quand ils sont incinérés. Mais je dois signaler que l'ultime action, euh, c'est de prendre ces produits, les envoyer hors de l'usine. C'est ça le, le plan d'action que nous avons retenu comme plan d'action ultime et je pense que nous sommes en train de travailler là-dessus et nous ne sommes pas très loin de l'objectif.